Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne, je le rappelle en partenariat avec Square Enix. Alors j'espère que le début des VOD est bien enregistré parce que j'ai vu que sur quelques-unes, c'était pas le cas. Des coupures, sans doute à cause du PC qui vieillit. On va continuer ce qu'on a fait, c'est-à-dire le Raid 24 de Event Sword que j'avais jamais vraiment fait, en tout cas j'en ai aucun souvenir. Et là on va sur la cité défendue de Mac, me dit-on que ça se prononce comme ça. On a fait le premier juste avant en live, mais bon vous l'avez eu je pense il y a quelques jours. C'était trop cool, vraiment très beau en plus de ça. Et là, on va continuer d'utiliser le Bard. Avec toujours ce glam, quand même, je me permets, mais regarde ça. La classe absolue. Le plus cool personnage du serveur, à n'en point douter. Et sans doute, la meilleure Mikote. Et regarde, elle a même les petites cartouches à la Dragon Quest, là, comme Mam, qui permet de lancer les magies. C'est merveilleux. Et ouais, bref, donc ça pour dire qu'on va faire ça et que le raid ne s'est pas lancé, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en suis sorti parce que j'ai voulu couper le truc, vous pensez? Attends, on va relancer, c'est pas grave. C'est possible, hein, ça arrive. Ah voilà, très bien. On va relancer direct. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu une petite coupure. Donc je rappelle, ouais, le jeu disponible gratuitement jusqu'au niveau 70. Vous avez la possibilité de jouer avec deux extensions, pardon. Le lien est en description. Si ça peut vous intéresser, la meilleure démo qui soit, la plus grosse démo d'ailleurs. Et puis derrière, la promesse de quand même... voir véritablement si le jeu peut vous plaire ou non, sachant que là, avec un jeu et deux extensions, vous devriez savoir. Ah, on a mangé une pénalité, c'est vrai? Non. Parce qu'il y a eu un petit quoi que vous pensez? Bon, de toute façon, là, si on attend, c'est que c'est bon. Il reste plus que un tank. Est-ce que c'est le nôtre? On va voir. Je sais pas. J'aime trop le jeu quand il fait jour. Ah! Ah putain, c'est un... Oh, c'est de chez nous! Ah, j'en reviens pas! J'en reviens pas, c'est Nevevarine qui est pas là. Nevevarine qui a cru qu'il y avait le temps là. J'en reviens pas. Et oui, c'est 100% de chez nous. Terrible. Ah, désolé hein, pour la VOD. Aïe, aïe, aïe. Attends, on attend que la personne revienne. Je sais qui c'est sur le chat, donc il n'y a pas d'embrouille. Mais ouais, y a le pipi. Le pipi, de toute façon, voilà, le pipi pénalisant. Là complètement, ça nous a pénalisé pour de vrai. Écoutez, c'est pas très grave. Ah, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est... Combien de pénalités on a le droit de manger avant d'être vraiment pénalisé? Parce que du coup, là, ils sont partis sans nous. C'est pas très grave. On va trouver quelqu'un d'autre. Appel pour un boulot, bah c'est... Oui. Appel pour un boulot, oui, t'as le droit de planter 30 personnes, y'a aucun problème. T'inquiète pas, et j'espère du coup que ça s'est bien passé. Aïe, aïe, aïe. On a le droit à 3 essais. Ok. Bah écoutez, si quelqu'un a un appel pour un boulot... On peut se prendre une méga pénalité, c'est pas grave. Mais on va croiser les doigts quand même. Parce qu'on est à deux, effectivement. Allez, le temps que ça charge, on va en profiter pour faire une petite balade. Vous savez quoi, je le fais pas souvent, mais je pense que ça peut être cool aussi. Même si, voilà, l'objectif c'est le raid. Regardez ça. J'ai toujours ce souvenir ému de la découverte de FF14. Avec ses premières zones par lesquelles on passe. Et où on se dit quand même, putain, ce sera pas mal ce jeu. Alors évidemment, c'est pas un film non plus, hein, mais... Je trouve qu'en fait, à force de jouer sur le jeu de manière un peu HL, ou même, on a un peu cette boucle de dire... ah merde, j'ai plus de batterie. De dire, bah ouais, ok, j'avance... comment? J'avance direct vers ce que je dois faire, et puis après, derrière, je fais mon HL, et puis après, bah, on est toujours un petit peu aux mêmes endroits, et puis on fait un peu toujours la même chose. Et du coup, on en oublie des fois le... comment? Le charme du jeu tout seul, quoi. C'est-à-dire le charme du jeu dans ce qu'il a à proposer en termes de balade, de décor, d'exploration, de choses comme ça. Et c'est vrai que, ouais, non, il y a vraiment un truc, je trouve, qui se cherche aussi un peu dans le jeu en termes de balade et d'exploration. Oh là là, le Yojimbo Chocobo, il est fantastique. Ça, c'est qui, ça? Ah, c'était Lux, évidemment. Lux, il arrive. À chaque fois, c'est Julian ou Lux, de toute façon. C'est les mêmes. C'est les deux clones du jeu. Bah ouais, regardez ça, il y a quand même des trucs sympas à voir, quoi. Vraiment, hein. Je trouve, en tout cas. Il y a un petit truc sympa au niveau du travail sur les décors et tout ça. Alors après, il faudra voir comment ça sera dans la mise à jour graphique. Mais déjà, en tant que tel... Regardez, quand même. Puis c'est pas si petit, quoi. Il y a vraiment des grandes zones à explorer et tout ça. Et puis qui sont travaillées, c'est pas... Il y a des efforts de panorama, quoi. C'est pas juste du remplissage dégueulasse. Je sais que vraiment, quand j'avais fait la toute première vidéo FF14 de ma vie, c'est-à-dire la preview de la bêta fermée.
qui du coup date un peu, ou même, je crois, ouverte parce que fermée, on n'avait pas le droit de filmer, je m'en rappelle plus. Bref, une des deux. Ah putain, ça marche vraiment pas par contre là. J'essaie de charger la manette avec l'ordi, mais ça marche pas très bien. Je dois aller chercher un câble, bon, c'est pas très grave. Mais ouais, je me rappelle vraiment qu'un des trucs qui m'avait le plus fait plaisir, c'était de faire des plans comme ça. Où on se balade et on profite quoi. Alors attends, juste lancer, voilà, pour pas non plus replanter toute l'équipe. Et le temps que ça charge, je vais aller chercher un câble. J'arrive. J'en ai pour une seconde, de toute façon, ça va charger. Vous allez avoir l'intro. Allez, deuxième donjon. C'est pas une musique de FF8 ça? C'est pas la musique du donjon de Ifrit? Du tout début? Non, pas du tout. Ah non, Ifrit, c'est... Donc vous dites que c'est une musique de FF9? Ah ouais? Ah, le thème me parle de fou, je sais pas pourquoi. Ah oui, combat FF9, vous avez raison. Ça là, c'est combat FF9? Attends, putain, je m'en rappelle plus. Oui, c'est ça. Attends. Excusez-moi, je le fredonne. J'ai un doute du coup. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. En tout cas, il y a une phrase musicale qui vient d'ailleurs, ça c'est sûr. Le ta da 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 da. Non mais ça doit être ça. Vous avez raison, ça doit être FF9, ça me parle, ce phrasé il me parle. La malédiction quand tu fais tous tes morceaux d'oreille, c'est que tu repères vite des phrases musicales ici et là, d'autres trucs. Mais c'est très dur de replacer d'où ça vient. Putain, je me suis remis à fond dans le piano là en ce moment, c'est terrible, c'est trop bien, c'est trop bien, j'avais oublié. Ça c'est sûr ça. Faut que je retrouve. Ça va me prendre la tête tout le long. J'ai l'ordi sous mes yeux au pire, hein, s'il faut. Je règle ça. Allez, bim. Alors, je connais pas du tout le donjon. Je sais pas ce que je dois faire. On va découvrir. Je rappelle, hein, C'est pas totalement de la découverte parce que a priori, je l'ai fait à l'époque, mais... aucun souvenir. Et oui, non, c'est pas celle FF8, c'est sûr et certain. FF8, c'est... Et c'est encore autre chose. Avec, évidemment, mon chanté qui vaut ce qui vaut, quoi. Quelle est bien cette musique. La bande son d'FF8, elle est tellement god-tier, c'est un truc de taré. Ah, je connais, je découvre là. Ouais, j'ai pris tellement cher. Ouais, j'ai pris tellement cher. Ouais, heureusement on m'a soigné, merci beaucoup. Bon, par contre faut que j'arrête de jouer à la rage parce que là, je fais pas attention et du coup je fais n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'à FF8 c'est plutôt les Raid Eden. Alors pour le coup les Raid Eden, je pense qu'on les refera aussi. Mais avec le Gunbreaker. Parce que du coup j'ai jamais fait avec le Gunbreaker. Et ça c'est quoi déjà? Ça c'est peut-être FF14 du coup. Je mélange tout. Ouais, je vous ai dit, c'est terrible.
tellement bien cette musique. Là, ouais, je suis vraiment, vraiment retombé la tête la première dans les thèmes Final Fantasy ces temps-ci, c'est terrible. La découverte du moment pour moi, c'est vraiment la bande-son de FF7 Remake. Alors vous avez trouvé ça con parce que j'ai fait le jeu il y a longtemps. Mais c'est juste que... j'avais pas autant FF7 en tête. Maintenant, bon bah voilà, vous savez que... je l'ai bien en tête. Et en fait, ben... juste le retravail, il est dingue, quoi. Et ça caresse autant la nostalgie que ce que c'est un peu festif. Il y a un truc très, très célébrant, on va dire, dans FF7 Remake. Qui pourra d'ailleurs être le thème d'un vue subjective. FF7 Remake n'est pas un remake, c'est une célébration. Et la nostalgie plante direct. Mais ouais, il y a un truc assez magique. Et le thème de Tifa, par exemple, qui est tellement beau retravaillé dans Remake, parmi d'autres thèmes. Puis bon. Il y a de quoi faire. Attention. Ok. 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 J'essaie de me concentrer parce que j'ai peur de me reprendre des dégâts comme tout à l'heure. Où j'ai vraiment failli crever bêtement. Ah, attention, faut qu'on se rassemble. L'icône pour les gens qui l'ont pas, c'est une icône où il faut se grouper pour pouvoir partager les dégâts. Sinon, ça pique assez fort. En soi, je comprends la logique de ce que j'avais fait à l'époque pour le gameplay manette, mais c'est tellement pas agréable à jouer. Faut que je change ma config manette là. Ça ne va pas. Après les refs FF9, on les aura sans doute dans Don't Trail parce que vu qu'on a la classe un peu de Jidan, bon. On comprend qu'on aura le skin peut-être un jour. tout ça quoi, on voit bien arriver les choses. Les astres semblent s'aligner quand même. Allez, c'est bon. Ok, fallait être un petit peu dedans quand même. Mais ça va, le combat était pas très dur au final. C'était plutôt zen. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un turban de pisteur. On peut essayer éventuellement. Je suis pas dans mon style. On va le laisser comme ça. Ah, et les bottes. Ah, les bottes, beaucoup plus. Allez, on fait le petit besoin. Ok. Oh, y'a Gaïa. J'en reviens pas. Ils nous ont foutu un Gaïa de FF9, c'est pour ça qu'il y a du FF9. On l'a vu au loin là, vous l'avez senti ou pas? Attendez, regardez ça. Vous voyez là-haut là? Étonnant. Trop classe. Hop là. Ozma tu veux dire? Comment ça Ozma? Non, vous êtes en train de m'embrouiller là. Je vais bien aimer le haut du bar de ce donjon. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah je vais regarder là. Bah, je sais que moi j'aime bien quand il y a du tissu, des ceintures, des machins, des trucs de cuir. Moyen de métal, mais je me porte. Là, typiquement, ce que j'ai là, c'est ce que je préfère. Dans tout ce que j'ai vu pour le moment côté barde. Ah, c'est Osman en Jap. D'accord, ok. Et qui veut dire quoi concrètement Enfin, il y a une signification parce que dans le jeu, si j'ai bon souvenir, c'est vraiment venu de nulle part. Il est là et puis salut quoi. Alors que les armes par exemple de FF7, il y a un vrai contexte avec le fait que bah voilà, c'est les entités protectrices de la planète, machin, etc. Et j'avoue quoi, ouais, je suis vraiment un casu FF7 à 9 parce que bah, c'est des jeux que j'ai fait à l'époque à 100% absolu avec l'aide
du guide quand il y a des trucs qui bloquaient vraiment sur la fin et tout ça, mais en gros, ouais, pour juste trouver quoi, parce que des fois il y a des secrets vraiment bien cachés, bah typiquement les scènes cachées dans FF7, si t'as pas la solution, accroche-toi quoi, pour retourner à tel village, tel endroit, tel machin, etc. Pareil, je crois que c'était la Solus qui m'avait débloqué un truc, le fait de récupérer le Jet Shot quand même dans FF10, mais à la fin, enfin bref, peu importe. Et ouais, par contre, côté signification, lore et tout, enfin tous les trucs qui ont été dits après maintes et maintes fois par les gens, par exemple, qui font du speedrun ou des trucs comme ça, contrairement à d'autres jeux où j'ai suivi, FF, je suis pas du tout dans la méta internet, quoi. Ah si, les FF sont pas très durs en termes de jeu, je trouve, Pingo, mais c'est juste enfin, débloquer tout. Et trouver tous les boss, tous les machins, tu vois, typiquement quand t'as raté des invoques, de savoir que tu peux les récupérer en les volant aux gardiens de Ultimecia, bon voilà, ça sans solution, c'est dur de... Quand t'as raté un truc, tu essaies de trouver une solution pour les avoir quand même, quoi. Alors, Forgal. Qui a l'air d'avoir une sacrée monture lui aussi. Parce que là, je joue vraiment en mode no brain depuis tout à l'heure, on va quand même faire un tout petit peu attention. Ne serait-ce que pour respecter un tout petit peu le DPS. A minima, mais quand même. Ah. Le minimum. Ta 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 ta. Ah, c'est toutes les 15 secondes, c'est rapide quand même le tir. Ah merde, je regardais pas l'écran. Oh non, je vais rater le chant du vagabond à cause de ça. Le ton parfait qui part pas parce que j'ai pas le... Oh sérieux. Oh non, je suis dégoûté. J'ai pas de cible. Quelle déception. Alors qu'il y a ça qui tombe juste après. Tristesse. Ah par contre là il y a un truc à faire. Attends, voilà, d'abord aller sur la succube. Avec du bourre. Voilà. Par contre je prends méga cher là. Pourquoi je prends si cher? Je vais crever? C'est quoi que je prenais en dégâts là? Ah peut-être que je tapais pas le bon, il y a peut-être une histoire de y en a un qui doit être tapé par les heals et par les DPS ou un truc comme ça, j'ai pas compris. Ah on a chopé les bottes tiens. Bon, on va faire confiance à tout le monde hein. Oh bah super. Ah mais Diabolos c'est carrément l'entité du raid. On l'a vu dans le premier raid. Et on l'a pas affronté et finalement on va se le manger plus tard, c'est rigolo ça. Ah j'avais un dot de poison, d'accord ok. Mais donc fallait qu'on me dispelle mais après... Il y a déjà tellement de choses... Ah d'accord j'ai dû prendre un truc de poison parce que j'ai dû passer dans une AOE ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que Charles sur le chat a dit... Bon courage au healer, c'est parce que si tout le monde prend le poison en gros c'est super galère. Ouah putain j'ai rien compris ce que... Alors là... Là, effectivement, bon courage, les healers, ouais. Ça va pas être facile, cette histoire. Parce que là, ça a piqué fort, quand même. Ah, il y a une team, l'Alliance. Ah, franchement, ils ont bien géré. Hein. Après, s'ils sont chauds, ils arrivent à ressusciter les autres, mais... ils sont ambitieux. Oh, putain. Ça a l'air galère. Ça a l'air galère, quand même. Ça commence à se réveiller un peu chez nous. Balèze, balèze, balèze. Ah, ça prend le poison d'or. Allez, allez, allez. Ouah, ça va être dur. Il y a l'Alliance A qui est tombée quasiment complètement. Il faut voir si, s'il y a une ELB qui peut partir, mais ça me semble chaud parce que là, on est quand même loin de la 3. Mégamore, c'est vraiment la mécanique du wipe. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, il faut prendre le poison, vous dites? D'accord, ok. Bon, attends, il y a encore moyen, il y a encore moyen. Ah ouais, là, les healers, il faut que ce soit vraiment chaud. Et ça marche comment là le truc? Parce qu'on voit qu'il... Ah c'est parce qu'il faut se mettre dessus. Et c'est en étant dessus que ça empêche les trucs de grimper j'ai l'impression. Ah ouais donc effectivement ça a l'air vénère ouais.
Bon, on va peut-être y arriver à faire cette LB heal là. Mais après, c'est une LB heal pour tout le raid ou c'est pour toute la pour tout le groupe? Parce que c'est pas pareil. Ah oui, d'accord, vous dites qu'il faut prendre le poison quand il y a méga mort, d'accord. Ah ouais, effectivement, fallait le savoir, ouais. Donc là, méga mort, faut aller prendre le poison. Et là, faut aller... Voilà, méga mort esquive, c'est ça. Ok. C'est pas la méca la plus simple. Bon, allez, on va essayer de taper un peu ce qu'on peut en termes de DPS. Et ça va le faire normalement. Large. On s'est fait méga mort, mais on n'a pas pris le poison. Oh putain, personne n'a pris, je crois. Ouf. C'est pas joué à grand chose. Alors les pantalons ne nous intéressent pas. Ça, c'est vraiment pas joué à grand chose. Waouh, comme c'est beau. Enfin, cette musique me rappelle vraiment trop quelque chose. Pouah. Attends deux secondes. Hein. On regarde pas assez le taf, hein, vous voyez, si je m'étais pas un peu penché. La ville des machines, quoi. Comme quoi, ça valait le coup de revenir. Je pense que je suis pas le seul à retomber sur le bazar et à halluciner un petit peu. Merde! Pardon. Oh, ils vont me détester. L'industrie du tanking le déteste. Là, s'il y avait Silou, je pense qu'elle m'aurait, elle m'aurait ban life. Petite bêtise. On va dire qu'on a rien vu, d'accord? Alors, c'est quoi? C'est Mario? On va imaginer que oui. Ah. Ah bah voilà, des mécaniques on est séparés, tiens, trop drôle. Allez, on fait ça. Voilà, ça va, la mécanique est pas non plus extrêmement vénère. On peut dire que c'est ça qui va nous arrêter. Allez, on va dedans. Je vais pas regarder si on gagnait un petit peu d'XP avec tout ça. Parce que quand même le but c'est de monter le bard aussi niveau 90 hein, de mon côté. Parce que je suis encore 82 là. Allez, salut! Boum! Tout le monde est mort. Ça serait assez marrant, ça. Ça serait un bon troll de crever tout ce qui est devant. Et là. C'est là que ça va être le bazar. Oh! Oh les ambiances! Oh les ambiances! Oh s'il te plaît! La skybox et tout, regardez ça! Ah quand même ! Putain ! Ah bah ouais, quand même ! Waouh, comment ça se pose ? J'ai un flash. Marmotte. Je l'ai vu avec Marmotte, ça. Alors par contre, il y a très longtemps. Mais je l'ai vu avec Marmotte. Ça me parle. Ça me parle, j'ai un flash. Eh merde! Zut. Avec les nuages de JPEG. Bah oui, mais les nuages JPEG, c'est pas grave, ils marchent bien. Ah, sûr qu'aujourd'hui, ils font mieux, mais. Oh, quelle grosse merde. Bon, c'est pas grave, on a rien vu. Allez, c'est parti, baston.
on n'a pas démarré le combat de la meilleure des façons, mais ça va le faire. Donc c'est bien Osma, ouais. Bon, on va taper tout ce qu'on peut, hein. Alors c'est quoi, triangle? Wouah! Wouah, c'est anti-chamber le machin. Ah, j'ai pris mini. Ouh, ça va être dur ça. Oh, le bruitage! Ça, c'est un tech artiste à qui on a laissé les clés, ça. Complètement. Complètement. Tu lui as dit, t'inquiète, tu veux un modèle 3D? Non, t'inquiète, fais-moi une boule. Et c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est... C'est rigolo, on dirait le lieu où on a affronté, justement... Mais... C'est pas l'endroit où on affronte FF9? Enfin, où on affronte Gaïa dans FF9? Il me semblait que c'était sur une connerie comme ça, là. Trop beau. Le gros boulard. Il me semble que c'est ça. Paradis des chocobos pour FF9. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Rigolo si jamais. FF9, je l'ai fait à la sortie, je l'ai pas refait depuis. Hein, donc pour moi, ça c'est vieux quand même. Trop classe. Et bah c'était bien classe. Merde, j'ai oublié de mettre les dots. Erreur de débutant. Et j'ai claqué quand même le son. Le... Pardon, le... Merde. Ah, pff, je fais n'importe quoi. Ah, je fais n'importe quoi. Terrible. Pas grave. Faut que je remappe mes touches. Vraiment. Attends, il y avait un truc à faire là? Ça a l'air obscur. Ok. Comment tu fais pour savoir où ça tire? Ça tire au pif? Ou alors derrière? Ah, ça cible le tank, d'accord. Okay. Ah, donc en fait, il y avait moyen de pas se prendre tout ça peut-être. Mais le tank est en mort. Ah, oups. Oh. Oh là, j'ai pris méga cher. Là, j'ai pas compris. Ah, saignement, d'accord. Là, j'avoue, j'ai pas eu le. Ouais. J'ai pas vu le début, donc c'était dur. Bon, ça va. Je suis rassuré en me disant que. On est nombreux. Et nombreux à être morts sur la mecha, donc ça va. Enfin, ça va pas, parce que du coup, on va galérer, mais. On se rassemble, voilà. Ah oui, j'ai pas trop à dormir. Ta 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 ta. Ouais, bah encore une fois, il va falloir être chaud. Attends, c'est qui a pris le truc là? Charger ça. On va se décaler si je comprends bien. Quoi, 3, 2, 1. Ah oui, d'accord, ils prennent une bombe. Donc on s'éloigne des bombes, j'imagine. Ok. Aïe. Ah, allez, c'est bon, on est sur la fin là. Il ne va plus se passer grand chose normalement. Ah bon. Ah bon. Ah d'accord. Imaginez le wipe. Pour nous c'est chaud là. Vas-y Shido! Ah merde! Ah! Comment dire? Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Il reste un heal et un tank. Il reste un tank. Merde!
Et voilà. Oh non, la déception. Oh, il restait rien, la déception. Alors j'avoue, j'ai pas compris pourquoi on a wipe par contre. Pourquoi tous d'un coup on est tous morts. Au moment où j'ai dit, il peut plus rien se passer. Bah je pensais ça en fait, c'était le mauvais call. C'est vraiment, j'ai porté la poisse. Putain, terrible. Terrible, terrible. Oh la douille. Ouais, le coup dur, le coup dur, le coup dur. Bon, c'est pas grave. Les tanks ont pas pris les orbes, vous dites, d'accord, ok. Ah, j'avoue que ça fait longtemps, donc peut-être qu'ils s'en rappellent pas ou qu'ils le savent pas, ouais. On va voir. C'est à cause des AOE à placer, d'accord. Ouais, ne connaissant pas assez le truc, j'avoue, je l'ai pas. C'est un JPEG, mais c'est un beau JPEG, je suis pas d'accord avec vous. C'est juste que la boucle est très courte, par contre. Mais ça a de la gueule. Il faut pas prendre les ans. Ah, faut éviter, d'accord. Comment ça va se passer? Attends, mais la flèche en pyrène est pas partie en triple attaque, donc ça veut dire qu'en fait je peux plus le faire avec la flèche en pyrène maintenant? Ça a changé ça? Ah, peut-être des trucs ont changé dans le barde. On va voir. Les AOE à placer, faut éviter qu'elles se touchent. D'accord, ok, ça marche. Elle a fait mal là. C'est ces sphères là bleues là qu'il faut éviter de faire entrer en contact, c'est ça? On va voir. Quoi qu'il est là. Oula. Pardon, je baillote. Allez, ça va, c'est nickel. Allez, c'est bon. Et attends. Bon. Ah, ça aurait été marrant de pouvoir faire une flèche mais en sautant. Après ils ont peut-être pas l'anime qui est prévu pour, mais voilà. Oula, je me sentais sale. Oula. Peut-être une erreur là. Erreur d'appréciation évidente. On va se mettre là parce que. Je le sens pas. On va voir. Voilà. J'essaie de rester dedans, mais pas clair. Bon, allez, faut pas se louper là. Bon, au pire, après, s'il faut que je me sacrifie sur une sphère à la con pour sauver le groupe, on le fait éventuellement. Pas grave, pas grave. Ok. Ils sont plus lucides déjà comme manière de gérer le combat.
Ensuite, on revient bien sur le cycle Bard. On se décale là, c'est ça? Ou il y a l'espère? Je me fais avoir à chaque fois sur ce truc. Voilà. Mais non, mais quel... Mais quel con! Mais pourquoi? Oh là là. Qui c'est qui m'a fait ça? Qu'il se dénonce ou se taise à jamais? Enfin, Lunmia! Moi j'étais trop bien, j'étais dans mon pattern! Ça veut m'aider, ça m'a buté alors que j'étais trop bien, je savais ce que je faisais et tout là! J'en reviens pas! Mais enfin! Bon bah tant pis. Exécuter l'ordre 66. Ça c'est vraiment la vengeance pour toutes les fois où j'ai fait de la merde. C'est pour ça que je le prends pas mal, hein, t'inquiète, c'était pour la blague. Mais ça m'a tué. Littéralement d'ailleurs. Ah bah super, du coup je fais le combat au sol. Ah bah merci hein. Attends quoi, c'est pas fini? Ah j'ai même pas le droit au bonheur. Personne me raise. Ah parce que la suite de combat évidemment elle est au-dessus. Aïe 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 aïe. Ah c'était toi Lux, c'est vrai. Terrible, je croyais que c'était Lunmia. Parce que je sais que Lunmia aime bien m'embarquer aussi. T'inquiète, hein, y a pas de... Y a aucun souci. Ah là 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 là. Je me fais comment? Je me fais martyriser. Ça m'accuse, mais parce que je sais que c'est toujours toi Lunmia. J'ai aucun doute. Ah c'était pas le boss de fin? Ah mais moi je pensais que c'était le boss de fin. Y'a une hype après la hype. C'est Shiva Wish avec une... avec une lame. Incroyable. J'aime pas trop le Kara. Hein. J'ai failli tous vous tuer. Ben non, justement, le truc, c'est que j'étais sorti pour mettre là-haut ailleurs, non? Alors, j'ai pas compris, du coup, désolé, c'est sans de ma faute, ouais. Le but, c'était pas d'éloigner les AOE pour qu'elles se tapent loin, et comme ça, on peut... Comment? On peut être tranquille, nous. Ah, peut-être que les AOE doivent pas se taper entre elles, sinon c'est ça qui fait mal. Et du coup, vu que j'étais en même temps que l'autre qui était aussi en train de poser son AOE, c'est pour ça que je vous tuais. C'est ça que tu dis? Ah, ça expliquerait beaucoup de choses. Ah, yes, d'accord. Désolé, alors, effectivement, j'étais en train de vous tuer. Donc, en fait, Lux, que j'insulte, en plus, a sauvé le groupe, le live et le raid. Donc, en fait, là, je suis un ultime connard. Pardon, 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 pardon. Mille pardons, mille pardons. Allez, on reste focus quand même. Histoire de faire ça pas trop mochement. Ah. Ok. Quand t'as un doute, accuse l'autre. De toute façon, oui. Bah, de toute façon, c'était... Moi, j'ai accusé Lunmia à la base. C'est... Pauvre Lunmia qui prend tellement cher. Qui a rien fait. Qui a juste rien fait. Oh là là. C'est terrible. Ah, attention. Oula, gros vomi là. Ah ouais. Là, quand tu commences à manger et que ça touche les cheveux, c'est que vraiment, vraiment, c'était pas frais. Là, ça va, le perso est plus classe que ce qu'il en avait l'air en fait. Comment ça mérite une vengeance? Mais attends, mais c'est, la vengeance est déjà faite, je suis mort pendant le combat. Bon, certes, on m'a empêché d'assassiner tout le groupe, mais quand même.
Ah mince. Ah non. Allez. Allez. Ok. Je sais pas comment ils gèrent le timing quand ça tombe à zéro, mais qu'en fait, tu peux quand même lancer le sort, parce que bon, voilà, allez. Il devait y avoir un truc où toi, tu vois afficher zéro, mais en fait, il doit rester deux mécaniquement dans la console, et comme ça, ça te donne cette impression de justesse. Ouf. Ah non, ça fait déchirer, par contre. La punition sera de faire les quêtes d'Hildebrand. Ah ouais, là, par contre... J'ai mérité une punition sévère, mais pas à ce point quand même. C'est Lux qui décidera. Après tout, c'est la personne concernée finalement. C'est la personne qui a été complètement héroïque dans l'ombre quoi. En fait, faire les quêtes d'Hildebrand ça va. C'est les lire le problème. C'est si long. Ah d'accord, oui, la cage, faut détruire la cage, ouais, voilà, ça s'est mal passé, ouais. On était tous dans la cage, donc... Ah là, et Lux sans rancune qui me raise en plus, quoi. Enfin, qui a essayé. Ça s'est pas bien passé. Ah, ou alors peut-être que c'était un raise pour quelqu'un qui est à côté, c'est possible. Oui, non, c'est quelqu'un d'à côté. Ah non, c'est... Ah, c'est Lumia qui m'a raise, du coup. Oh là là, vraiment. Je mérite pas ces gens. Allez, baston. Je commence à fatiguer. 6h30 de live, ça commence à tirer. Hop. Ok. Ok. Ah, allez, ça va le faire. On va y arriver, je pense. Merde. Aïe, oh, on a pris tellement cher. C'est tellement bizarre de ne plus pouvoir se soigner, par contre. C'est trop bizarre, en étant passé healer, de revenir DPS. J'ai l'impression de pouvoir faire la même chose, mais sans avoir la réparation de me soigner si je fais de la merde. C'est l'antithèse, mais bon. Allez, pas mal. En avant-marque. Qu'ils ont fait. Terrible. Ah, donc c'est Mash. Bah nickel, bravo tout le monde. Bravo, bravo. Quelle vie. Quel donjon. Il était trop bien. Il était vraiment trop bien. Ah, il y a une armure cool à voir. Ah ouais, archer alors. Ah, c'est celle-là. Oh, j'avoue, on va la tenter. Alors ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Non, ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Ça, on peut tenter. On peut tenter. Ouais. Avec deux, ouais, y a peu de chance. Bon, on a récupéré la tenue déjà, ça c'est cool. Mais bon, le reste on l'aura pas avec 32, 33, 36. À moins que personne. Comment ? Ait fait le truc, mais ça m'étonnerait. Ah oui, c'est vrai que c'est toi, Misha, qui était comme ça. Ouais, c'était compliqué, mais c'était cool. C'était cool. Mais effectivement, l'armure est chouette, ouais. Du coup, on l'a gagné, trop bien, mais on aura pas fait ça pour rien. Allez, on va laisser le reste pour les autres. Bah écoutez, on va stopper là pour la VOD, merci beaucoup à vous d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu, c'était donc le deuxième raid de Even Sword hein, quand même à l'époque, qui est compris d'ailleurs dans la version d'essai, rappelons-le, et puis bah du coup ouais on fait la pause là-dessus, pour live ne quittez pas, je reviens dans un instant, à très bientôt tout le monde, et puis bah bonne session de jeu à vous, et à très vite pour de prochaines vidéos FF14, bye tout le monde à la prochaine, le lien en description, hein, je le redis au cas où, bye.